Okay guys, it's the start of the vlog. Je viens de récupérer ma caméra, donc là je filme encore avec mon iPhone. Je suis trop contente, il y avait une assurance de 2 ans. Donc checkez bien quand vous avez des trucs qui se cassent, si vous avez des assurances. Et là je vais aller voir Kitty pour prendre un verre avec elle. L'outfit du jour est confort. MDR Kiki, je pense à toi. J'ai qu'un masque. Là, il n'y a personne, donc j'avais mon masque. J'ai un peu hulte de ce truc. Donc pour vous situer, on est samedi 9, je crois. On est censé être férié, mais il y a plein de trucs ouverts, donc c'est trop cool. Ah, il fait bon à Paris, là, il fait genre 20 degrés. Donc j'en profite pour sortir. J'ai l'impression de pas être sortie depuis genre des années. Je sens que là, le retour des trucs qui vont ouvrir, socialement, ça va être bizarre. Je dois me réadapter. Donc voilà, je vais vous vlogger la semaine. J'ai pas mal de trucs. Il y a Aubé qui sort cette semaine. Il y a plein de trucs. Il y a un autre rendez-vous potentiel collab aussi avec une marque de lunettes. Donc ça c'est fun. Et là du coup j'arrive chez Kitty. Donc là on mange un bout. Donc on est au bac à sable. Avec la vlogueuse pro. Tu te recommandes d'être vlogueuse? Ça fait quoi? Je me sens trop pas vlogueuse. En fait je me sens plus comme une production de télévision. Manon au platine quoi. C'est vrai. Parce que je suis pas seule dans l'histoire. Il y a Manon, maintenant il y a Mathilde. Ouais. Moi je trouve c'est bien de montrer ça parce que c'est du travail. Les gens qui se rendent compte que c'est pas genre t'as pris un bout de caméra et tu l'as mis au bout de ton bras. C'est clair. C'est du taf. Putain par contre on est grave belle avec les femmes. Non on est grave belle tout le monde. Il y a Frusque, je sais pas si vous m'entendez, il y a Frusque que je vois ici qui fait un petit événement. Donc on va aller là-bas avec Manon les soutenir. Ça va être chouette. Et voilà. Petit déj man. Tu veux pas la petite chaise que je suis? Non, j'aime pas. J'aime pas la petite table. Tu me fais trop rire. Voici l'outfit du jour. Un petit pull sans manches que j'ai recousu, qui était un peu long, j'ai cousu là, je sais pas si vous voyez. J'ai un petit bermuda, j'ai des bottes, j'ai mon petit sac Fendi gris. C'est toute seconde main, on adore. Finalement, voici l'outfit. On a cette petite veste Kenzo que j'ai achetée au marché de Montreuil. Donc, it's a brunch avec le Marquis. Trop bien. Yeah! Il y a vraiment des poteaux qui ont des apparts sympathiques. Donc là... Ça te dérange pas? Non, non, ok, c'est toi qui fais Frusque. Oui, c'est ça. Ouais, c'est trop bien. Moi, je me suis dit que j'allais faire un tour parce qu'en fait, j'étais avec Maui hier et elle me dit bah, elle fait un bail et tout chez elle, j'aurais repassé. C'est cool, là, il y a du monde et tout. L'air de confiance, ça fait plaisir. Là. Ouais, trop cool. C'est trop bien. Bon, Adrien, qu'est-ce que tu peux? Bah, oui, un petit peu. Non, bon, ça, on sait ce que c'est. Putain, c'est trop bon. Vous allez bien ensemble? J'étais chez Frusque, je viens de rentrer du coup et j'ai pris une douche directe parce qu'en ce moment vu qu'on sort, enfin je sors tellement plus que dès que je sors, quand je rentre j'ai envie de prendre ma douche, me laver et tout. C'était trop sympa d'aller voir les filles de Frusque. J'ai acheté une espèce de veste en maille slash maille slash jean qui va trop bien aller avec un sac Dior Saddle que je viens d'acheter qui est trop beau. Aujourd'hui on a sorti la vidéo avec Zoé. Vous l'avez kiffé. Zoé c'est vraiment une meuf de ouf, elle est trop débarque. C'est trop chouette les rencontres qu'on peut faire via les réseaux. Je disais ça l'autre jour, je disais mais c'est ouf parce que j'ai vraiment commencé YouTube et genre tout ce que je fais juste pour pouvoir rencontrer des gens. Donc c'est très sympa. Je pense que ce soir on va couper les cheveux de Marca parce qu'ils commencent à être longs. Moi j'ai arrêté de m'épiler les sourcils et je trouve ça chouette. Ce que je fais tous les dimanches soirs, c'est que je prends mon carnet de chez Untitled. C'est un carnet made in France, fait de manière éco-responsable. Je note en fait les rendez-vous que j'ai. Juste histoire de pouvoir recap aussi la semaine. Donc par exemple, ça c'était toute ma semaine dernière. Maintenant je vais m'attaquer à la semaine d'après parce que j'ai pas mal de rendez-vous. Je vais vous prendre avec moi toute la semaine pro et me suivre dans les aventures de Russie. Voici le carnet. Beaucoup d'entre vous me demandent comment je m'organise. Ça tourne autour de deux choses. C'est beaucoup ce carnet et mes notes. Et un peu Trello aussi. À tes souhaits. Là je vais écrire ma to-do de la semaine. Je suis trop contente aussi parce que là j'ai ma pote qui est graphiste qui commence à nous faire des monogrammes Russmin et que j'ai envie de pouvoir mettre dans des t-shirts. Donc je suis trop contente.
longtemps, j'ai partagé ça avec les filles, Lorraine et Margot de Rusmin. Parce que j'en parlais ce week-end avec les filles, vu qu'on fait des drops différents tous les mois, c'est beaucoup de travail, ça serait, enfin c'est pas grave que ce soit beaucoup de travail, mais ce serait bien d'avoir une pièce qui reste tout le temps, donc je suis en train de travailler là-dessus. Google Calendar et ma besta. Donc j'ai rempli mon petit agenda. J'ai demandé aux filles aussi si on pouvait se voir mercredi parce que j'ai plusieurs idées avec Rusmin sur lesquelles j'aimerais bien travailler. Quoi d'autre? Ouais, je pense que cette semaine on va se voir qu'une fois aussi. De toute façon on arrive vraiment bien à travailler comme ça, on s'est vachement habitué avec le télétravail, donc ça c'est pratique. Et là je dois mettre du coup une vidéo Reels pour notre collaboration avec Obey qui sort mardi là. Ça sera disponible pendant 2 semaines et après les précos vont fermer et comme ça nous on pourra faire de la confection pendant 2 semaines et après on enverra tout. Aujourd'hui, on va faire un mulet? Un petit mulet? Non? Ça te fait pas rire? Non. Non, ça va de ouf. Yo, on est lundi matin. Il est 9h. J'ai fini mon petit sport, ma méditation. En ce moment, je fais une méditation qui s'appelle. Ça s'appelle Headspace, c'est un truc en anglais. Je sais pas pourquoi ça me détend plus l'anglais que le français. Genre, je sais qu'il y a d'autres trucs de méditation, mais moi j'y arrive pas trop. Je préfère en anglais. Au début, c'était hyper compliqué de genre se poser et rien faire. Mais en fait, ça fait vachement bien. On va dire gérer tes émotions et tes pensées. Et c'est assez bénéfique dans le long terme. Parce que je vous avoue que plus ça va, plus j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai l'impression. Plus je bosse, plus j'ai besoin de prendre soin de moi. Alors la méditation et la thérapie sont des choses que je prends à cœur parce que j'en ai réellement besoin. Donc voilà, je suis contente. Et aussi, il y a autre chose que je fais, que je vous tiens au courant un peu de ma life, enfin, c'est ça le principe, qui m'aide beaucoup. À un moment, j'avais l'impression que genre, ma vie me défilait de devant et genre, que j'arrivais pas à être dans le présent ou à me rendre compte du moment ou enfin juste à être là. Et maintenant je me réveille 1 heure plus tôt. Avant je me réveillais vers 9h30, ce qui en fait est hyper tard, enfin je trouve. Alors, maintenant je me réveille vers 8h30 et j'ai envie de me réveiller même plus tôt, genre à 7h30. Parce qu'en fait ça permet d'avoir du temps et de pas être stressée tout le temps et de genre de courir après le temps. Voilà, je suis apaisée. Je vais aller prendre ma douche, je vais m'habiller et on va commencer cette journée. Ah, je voulais vous montrer aussi hier ce que j'ai acheté chez Frusk. Je me suis acheté une petite veste qui ira trop bien avec mon sac saddle que je vous mets là parce que je ne l'ai pas encore reçu. Il est en vérification chez Vestiaire Collectif. C'est un site de vintage luxe. 5€, tu fais vérifier son authentification. J'ai cette petite veste que j'ai achetée. Je vous invite à aller regarder Frusk sur Instagram. C'est une petite boutique vintage trop sympa. Et un petit magnet de cerise. J'ai décidé de superposer de haut ce petit haut de la marque The Open Product avec le pull. Alors j'ai conscience que ça fait peut-être too much, mais je crois que j'ai envie. Je trouve ça fun, je sais pas, je trouve ça fun. Donc dans les news de ce matin, il y a quelqu'un qui utilise des photos de moi pour faire de la pub sur cette boutique. Donc déjà ça c'est un peu relou. Avec Marquis, on va aller voir Amaury dans le 5e arrondissement. Autant vous dire que c'est loin de chez nous, donc on part un peu en avance. Soit on réutilise des plaques vintage, c'est-à-dire des plaques des années 80, 90, 2000, qui n'ont pas été du tout utilisées. C'est tout made in France en plus. Ah ouais, complètement. Soit on récupère des plaques comme ça, soit maintenant le mec là qui a justement des stocks d'acétate et tout, il recycle à partir de vieilles plaques d'acétate, il les rebroie. Et il refait des nouvelles plaques. Mmh. L'acétate, c'est ça. L'acétate, ouais. Ça va être recyclé. C'est ouais, du plastique, exactement. Quoi. Mais ouais. Du plastique high quality, quoi. Ouais, high quality, à base de bois, de coton. Ah ouais, génial. Ouais. En fait, c'est quoi ?
truc. Je viens de rentrer de rendez-vous avec Amaury, c'était trop bien, c'était trop trop cool. On a des super idées pour le futur, ça va prendre du temps, mais bon, vous verrez la sortie de ça quand ça sera prêt. Ça sert à rien de se rush et de sortir des produits à moitié bien. Donc c'est pas ce qu'on va faire. Par contre, j'ai reçu des colis. Et donc là, il y a Brut. Il y a Brut qui revient filmer un truc à la maison. Et après, je vous montrerai ce que j'ai reçu. Ah, oh, je vais vous montrer quand même en attendant. Donc là, j'ai reçu une petite veste motard. Très sympa, chic. Un Dickies et un maillot de chez Minastorm. Ce magnifique maillot de chez Minastorm. C'est trop beau. Trop hâte de ressembler à une sirène. Et voilà, on va filmer. Ça fait longtemps, t'as quoi quand tu m'as ramené un sticker? Oh non. Ah. Vas-y. Ça va. Ça va. C'est trop mignon. C'est mignon. Je l'ai mis où? Voilà où tu peux. Donc c'est ok. Donc je fais la petite intro en mode salut, voilà ce que tu fais et tout. Okay, okay. Aujourd'hui je vais vous donner 3 conseils pour acheter donc des sacs. Et voici le Dickies que j'ai reçu. Donc là, comme ça, je ressemble un peu à une patate, mais je pense qu'il est cool. Et j'aime bien le fait qu'il soit un peu fade. Mais trop beau ça avec mes docks. Bon, je vais me faire à manger et vous laisser. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Bisous. Yo, on est mardi, je suis sur un outfit confortable parce que il est tôt et que j'ai pas trop envie aujourd'hui de m'habiller, je crois. Est-ce que j'ai envie de m'habiller, mais juste j'ai peur. C'est ma question de tous les jours. Je vous explique, à côté de Rusmin, moi ce que je fais c'est du consulting en marketing digital pour des marques. Donc je me retrouve 2 fois par semaine à bosser sur autre chose que moi et Rusmin et machin. Et ça me fait beaucoup de bien parce que ça me permet de me rémunérer sur autre chose, enfin sur quelque chose qui dépend pas juste de ma tête tout le temps. Et ça fait un bon équilibre dans ma vie, donc c'est pratique. Voilà, là j'ai passé la journée ici, je suis à Station F. Station F c'est un incubateur de start-up. C'est la sortie aussi de Rusmin et Obé aujourd'hui et en fait on a un problème de stock, donc il faut que je les prévienne avant qu'ils mettent ça en ligne à midi parce que ça va sortir sur le site de Obé. Je suis rentrée à la maison et je suis déjà douchée et en pyjama, mais attention, en pyjama pour recevoir parce que ce soir j'ai une pote qui vient dîner à la maison. Je suis tellement confortable, il n'y a rien de mieux qu'être propre chez soi comme ça, j'adore. Et je fais un truc aussi en ce moment, genre quand j'arrive à la maison et que j'ai envie de me sentir propre et genre en mood un peu classe, je mets des playlists Spotify de jazz. J'écoute celle qui s'appelle Jazz Classique, elle est très sympa, la deuxième chanson est et super. Et demain il y a les filles qui viennent Rusmin, donc vous allez pouvoir voir aussi un peu plus de Rusmin en live parce que je bosse sur Rusmin toute la semaine, mais le moment où on se voit en physique c'est un moment assez sacré avec les filles parce que ça nous permet d'échanger, de voir des protos et de vraiment se poser sur les événements à venir. Et j'ai oublié de dire aussi événement de la journée, on a sorti la collaboration avec Rusmin qui d'ailleurs sera encore en vente pendant une semaine, donc là vous voyez ça dimanche, en précommande, donc disponible à la vente encore une semaine s'il y a encore des trucs. Et j'ai déjà eu plein de retours hyper positifs, donc merci à vous, merci pour vos commandes, merci beaucoup de me soutenir au quotidien. Et on peut pas se voir vraiment, mais je sens, I can feel the love. Tout d'un coup. Yeah.
juste plein de jeunes qui sont en face à regarder et ça me gêne extrêmement. Genre ils ont dû être une dizaine. Mais là franchement c'est trop gênant. Je suis gênée. Ça fait toujours bizarre. En vrai, c'est chelou parce que tu sais, surtout quand t'es tout seul et t'es là, genre. Ouais. Ça, en vrai, ça doit être un peu bizarre. Bah, tu te dis. Ouais. Tu dis, est-ce que je suis fou, genre. Non, mais on a quand même avancé, regarde tout ce qu'on a. Ok, trop bien. Pagaille. Je pense que là, et tu, vous avez vu que les M et L, ils sont tous vendus déjà. Les hauts. Oui, et d'ailleurs. C'est important. Alors, ok, chambé, ça avance très bien. Moment déjeuner. Donc à l'occasion de la nouvelle collection de Levi's, ils m'ont envoyé à Grail. La Grail c'est de chez Paper Boy et ils m'ont envoyé aussi cette, je crois que c'est de l'huile à CBD, ouais c'est ça. Donc let's go, hein. Ça a l'air sympa, j'ai entendu parler de cette marque huile équilibre CBD. Mais je vais pas en prendre maintenant, ça risque de trop me détendre. Je vais mettre là, vous voyez pas, mais il y a le prochain projet Rue Smith, je vais pas dire ce que c'est. Parce qu'il est pas assez échancré. Moi le derrière il me va bien. Enfin moi ça me trouve ça, ça cool. Okay. Juste devant je suis un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, si, si, il faut enlever 1 cm de chaque côté. Comme, ouais, ah ouais pense. Comment tu fais? Bon, il est bientôt 19h. La journée était trop bien. Avec les meufs, on a grave avancé. Et on a fait les protos, on a fait des trucs aussi en ligne, genre avoir un Pinterest. Apparemment, c'est hyper intéressant d'avoir un Pinterest pour une marque en plugin sur Shopify. Et pour les gens qui ont des marques et des Shopify, parce que nous on est sur Shopify, Crossmin, c'est intéressant apparemment d'avoir un Pinterest au niveau du référencement. On a pris un plugin pour le référencement, tout ce qui est SEO et tout. Et je me suis dit que c'était intéressant peut-être d'aller dans le vif du sujet. Et aussi, on a réfléchi parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent si je fais des cours de couture. Alors moi non, même j'ai pas le temps, mais par contre on se demandait si on ferait pas des workshops quand ça va ouvrir et tout et genre on va pouvoir déconfiner. Est-ce que ça vous intéresserait? Genre des petits workshops, tu vois, genre vraiment débutants et tout pour apprendre à upcycler vos pièces, des trucs comme ça. Je me dis que ça peut être chouette, puis ça permet de se rencontrer aussi. Donc voilà. Je vais finir un peu de mail, de montage, de trucs et après je vais vous laisser et on se revoit demain au même endroit. Voilà, bisous. Je me suis lancée dans une petite couture matinale parce que ce pantalon il est trop large et j'en ai marre qu'il soit trop large. J'ai fini la vidéo pantalon, je vous la mets ici. Suivez-moi sur TikTok à la même occasion. Suivez-moi sur TikTok. Ouais, aujourd'hui je bosse pour des clients et j'ai demandé si je pouvais bosser de chez moi et ils m'ont dit ouais. Et je suis contente parce que du coup je peux avoir mes cheveux gras dégueulasses parce que demain je me fais enlever mes extensions et du coup ils vont me faire un shampoing et tout. Et je préfère pas me laver les cheveux genre 36 fois par semaine. Donc je m'étais déjà lavé les cheveux dimanche dernier. J'avais pas me relaver les cheveux hier pour me relaver les cheveux vendredi. C'est mort. Du coup là demain à 10h j'enlève mes extensions. En attendant aujourd'hui ça va bosser sec. On garde un esprit positif. Je suis mes ongles aussi hier, un petit OPI. Je vais bosser. Donc moi j'espère que vous allez bien, toujours, parce que cette vidéo n'est pas finie, moi pour moi c'est toute une semaine, donc il y a des émotions, il y a des hauts et des bas, ça se trouve que vous en 20 minutes il y a aussi des hauts et des bas, en tout cas il se trouve que moi en une semaine il y a là les hauts et les bas. Bref, je vais commencer à bosser peut-être. Regardez, on a reçu notre nouveau tapis. Ouais, vas-y, je pense. Welcome. Non. Bon, je vais prendre l'apéro avec une copine qui est ma voisine. Voilà, je vais juste vous montrer mon petit outfit avant de partir. J'ai mon petit bomber Scott, j'ai mon pantalon que j'ai retravaillé là où je vous avais montré le TikTok. Et mes chaussettes et mes petits mocassins léopard. Il y a ce col qui ne veut pas rentrer, donc est-ce qu'on va devoir faire un petit move under stress? Je ne sais pas. Donc là je vais, j'ai un air de famille mais coiffeur. Donc j'ai mis ma veste que j'ai achetée chez Frusk. J'ai une veste en cuir que j'ai achetée, je crois que chez Guérisol. J'ai mon pantalon à rayures que j'ai acheté chez Zalando seconde main. J'ai mes Doc Martens. Avec ça je mets juste un tote bag parce que je vais retrouver mon baby aujourd'hui. Donc comme je vous ai raconté, j'avais eu l'histoire de Vestiaire.co. Normalement je voulais acheter mon sac sur Vestiaire.co mais finalement la meuf est tombée malade. Et elle m'a dit vas-y en fait juste je vous rembourse et tant pis.
J'étais en mode ok. Et en fait, j'ai une pote qui a une boutique qui s'appelle Palace Calas, qui est trop bien. On a déjà fait une vidéo de la chaîne avec elle. Et elle vend ce sac. Donc, quitte à mettre autant d'argent, autant mettre autant d'argent dans le shop d'un ami, quoi. Mais soutenir la boutique. Donc, après, le coiffeur, je vais déjeuner avec ma cousine. Et après, on va passer à la boutique. Je suis contente de prendre un peu de temps pour WAM. Ouais, avec Vanessa. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Ruby? On enlève les extensions. Ah, ça fait déjà maintenant bientôt 5 mois, plus de 5 mois, plus exactement. Oui. Est-ce qu'on les enlève? Grâce à une petite solution magique. Attends, faut que tu fasses la youtubeuse. Non, et tu montres. Ah, ah oui, pardon. Là, ah, moi, je ne sais pas le faire. Mm-hmm. La solution. C'est marqué solution, c'est pas moi qui l'invente. C'est grâce à la pince magique plate qui ne coupe pas les cheveux car on voit. Que cette pince est donc plate, c'est comme ça. Donc là, on a enlevé les extensions, ça fait beaucoup de bien, c'était hyper rapide. Et là, on va faire un méga soin. On dirait Art Attack. Ouais, de ouf. Ok, donc là, qu'est-ce que tu me fais, Vanessa? Alors là, on va faire le soin pigmenté, en fait. Alors, pourquoi le soin pigmenté? C'est pour que chez toi, toute seule, tu puisses conserver ton gloss, en fait, qu'on vient de faire. Alors, un gloss, en fait, c'est du pigment végétal naturel qui se dépose, en fait, sur ton cheveu et qui va contrarier éventuellement un mauvais reflet. Genre, nous, en fait, on a beaucoup travaillé le fameux roux rubis. Qu'on adore. Mais qui aujourd'hui en fait n'est plus d'actualité. Ouais. On veut venir sur quelque chose de plus cendré, donc de plus naturel. Donc pour ça en fait, on fait du gloss. On n'a pas besoin de repartir en coloration trop chimique, trop vénère. Pas trop cramer le cheveu non plus. Et rester vraiment le plus neutre et le plus naturel possible. Donc pour ça en fait, on a fait ton gloss que tu as sur la tête actuellement, présentement. Pour que ça reste longtemps et que tu puisses le faire toute seule, là on va faire ton soin personnalisé. C'est sur une base de soins en fait d'argan. Et ensuite on va aller avec. C'est vraiment de la colorimétrie. Enfin, c'est... Donc là on est vraiment dans du pigment en fait pur. On peut le faire sans soin, sans base de soins. C'est trop en fait, ça va vous tâcher les mains. C'est difficile pour vous de le maîtriser. Donc si on le partage, si on le coupe avec un soin déjà de base, et ben, c'est beaucoup plus léger. À faire soi-même. Exactement, et c'est beaucoup plus simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une base en fait donc de marron. On va mettre un petit peu de crème de châtaigne. Donc là, on s'aperçoit que la crème de châtaigne, en fait, elle est beaucoup plus marronnée. Mm-hmm. On va mettre carrément du mauve. Et pourquoi? Alors pourquoi le mauve? Parce que bah, le mauve, en fait, le bleu, va être le reflet qui va contrarier ton reflet cuivré. On va maintenant le mélanger. Et avant chaque utilisation, on le secoue. Donc voilà ce que ça donne vraiment après. Une fois qu'on a fait ces deux shampoings préalables, un shampoing pour nettoyer, le deuxième pour utiliser les bienfaits du shampoing, on essore le cheveu maximum. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout d'eau. C'est pas dit plus du tout d'humidité, il faut que le cheveu soit mouillé, mais plus d'eau. Si tu mets un soin sur un cheveu à peine essoré, quand tu vas l'utiliser, il va tomber dans ta baignoire. De cette manière. Et ensuite, on les mêle avec, pour bien répartir le soin. On laisse poser 5 à 10 minutes. Et ensuite, on rince bien, pas de shampoing après. Et on a un cheveu brillant, soigné et repigmenté. Parfait. Merci, tu sais quoi faire, chouchou. Je vous rappelle tout à l'heure, on va aller grailler un truc avec la couze. Donc là, je retrouve Alix, la star. Qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh. Oh la beauté. C'est lui qu'on vient chercher. Qu'il est beau. Magnifique. Il est incroyable. Je suis trop contente. Mon premier saddle. Clairement pas le dernier. Sympa ces petites Fendi aussi là. Les petits babes. C'est vraiment inutile mais vraiment indispensable en même temps. Ah de ouf. Je comprends tellement cette phrase. Two hours later. On en parle de la souffrance de règles. Je vais me faire un bain. Il est 16h, je vais me faire un bain. Ça fait trop bizarre de toucher mes cheveux qu'il n'y ait pas de truc dedans. Du coup, là, je vais me prendre un bain parce qu'il est 16h, mais je suis en PL. Je suis pliée depuis tout à l'heure. Et voilà. Donc, je vais me fumer un CBD. Et après, j'ai encore du taf. Ouais. Bon, allez, je vais mourir. Je reviens tout à l'heure. Étant donné que je suis devenue morte à cause des règles, Marc apprend le relais sur le vlog. Une magnifique chemise, Dickies, achetée sur Vinted pour 5 euros. Bravo, ouais. Fais voir le truc que t'as reçu. Deuxième chemise sur Vinted, après 15 jours d'attente. Oh, ah ouais, c'est le truc que t'as attendu 12 ans là. Ouais. Ah, je vais trop te le piquer celui-là. Un autre, ouais, non mais il est gigantesque. Marron. Ah.
44. Putain, mais il fait genre 4 fois ta taille. Ouais. Mais ouais, je pense que je vais reprendre celui-là parce qu'il est vraiment trop grand, quoi. Tu veux pas unboxer mon colis aussi? Yeah! Ah ouais. Trop marrant ça, j'ai vu ça sur le compte de XXX Caillou. Les gars, c'est grave une bonne idée, moi qui sais pas faire des nœuds de cravate. Ah, c'est génial! Ah, j'adore! C'est trop ridicule! Bon, j'ai un rendez-vous dans 20 minutes, faut que je me dépêche. Trop mignon. Et ça, ça a été acheté sur Vinted, les gars, pour I will tell you right now. Ça dépense tellement d'argent. Je vous fais un haul dans deux vidéos parce que vraiment là, je peux, faut au moins que je monte tout ça. À 1,80€. Bon, les gars, je crois bel et bien que c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vais agoniser sur le lit. J'espère que ce vlog vous aura plu. En fait, je comprends pourquoi j'ai été grave moody. J'avais juste mes règles. Tu sais, genre quand tu passes la semaine à sentir d'une certaine manière et que vous faites au bout de la semaine, t'intéresses, tu dis « Ah, c'est pour ça !» Voilà, je vous embrasse, j'espère que vous allez passer une bonne semaine prochaine. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous !